aujourd'hui leçon. la la leçon s'intitule l'expression de la concession et d'opposition » dans le cadre de la période 6, c'est-à-dire le deuxième semestre, la séquence 4, le leçon de langue et de communication. Pour les objectifs, on va cette fois-ci identifier la subordonnée de concession et le raisonnement par concession. Puis dans le second objectif, vous devez apprendre à maîtriser les outils et apprendre à les réemployer à bon escient à l'oral et à l'écrit. Passons à la première partie parce que dans le manuel scolaire ils ont mélangé deux leçons <coughs> qu'ils ne devaient pas mélanger. Donc, on va les séparer en deux. On va commencer par la subordonnée de concession et d'opposition. Commençons par l'identification. La du circonstancielle de concession et d'opposition, c'est une proposition qui indique une exception à une règle générale. Elle marque aussi une opposition avec le feu de la principale, ce qui est exprimé dans la principale. Alors, je vous ai con confectionné ce, ce support. <coughs> Imaginez le, le feu rouge qui est allumé. Le feu rouge est allumé. Dans la règle générale, quand le feu rouge est allumé, les automobilistes s'arrêtent. Là, c'est une règle générale. Et Parce que c'est une règle générale, on ne peut pas faire <coughs> l'enchassement par euh, subordination de concession. Si on prend celle-ci comme principale et celle-là comme subordonnée, on peut en faire la cause. On peut en faire la conséquence. Exemple, les zombies s'arrêtent. Pourquoi Vu que le feu rouge est allumé, par exemple. Ou bien on peut en faire la subordonnée de conséquence. Le feu rouge est allumé. Alors, par conséquent, les dons mobilistes s'arrêtent, donc on peut faire la, la principale subordonnée de cause ou bien la subordonnée de, 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 de conséquence, mais on ne peut pas faire la concession. La concession, elle, ou l'opposition, ça forme toujours l'exception de la règle générale. Et par cette exception, on va obtenir l'opposition entre ce qui est dit dans le principal exemple, le feu rouge est allumé. C'est une bonne chose pour euh, régler la circulation. Alors l'exception, ce n'est pas tous les automobilistes, on va avoir juste un chauffard, c'est-à-dire un mauvais chauffeur, ne s'arrête pas. Donc c'est une chose qui est négative. Et c'est un cas exceptionnel à la règle générale qu'on a dit au début, les automobiles s'arrête lorsque le feu rouge est allumé. Laisser pour ce chauffard et ne s'arrête pas sera une exception. Et ça forme l'opposition entre la principale et la subordonnée une fois on va utiliser les outils d'enchassement. Alors, directement, on passe à la conceptualisation et règle d'enchassement pour illustrer ce qu'on vient de dire. Commençons par le premier cas, l'enchassement avec mode subjonctif. Donc, nous avons besoin des subordonnants nous permettons d'avoir le subjonctif. <coughs> Ce chauffard ne s'arrête pas, premier outil c'est bien que bien que le feu rouge ici est allumé, on va avoir subjonctif passé, ben soit allumé. Donc plus le mode subjonctif. On a le premier outil c'est bien que, on peut aussi avoir l'outil quoi que. Ce chauffard ne s'arrête pas, bien que le feu rouge soit, à, soit allumé, ou bien quoi que le feu rouge soit allumé. Là, c'est le premier. Donc, vous voyez, hein, le chauffard ne s'arrête pas, c'est une exception quand le feu rouge est allumé, alors que les automobilistes tous doivent s'arrêter ou ils s'arrêtent. Passons au KB, l'enchassement par le mode indicatif. On commence par l'élocution conjonctives, puis on passe aux adverbes par la suite. Alors, le cas B pour le mode indicatif, ce chauffard ne s'arrête pas alors que le feu rouge est allumé. Donc, on garde le mode indicatif, plus le mode indicatif. Ici, vous avez le passé composé. On peut avoir alors que, ou bien même si. Ce chauffard ne s'arrête pas, même si le feu rouge est allumé. On passe au deuxième groupe des subordonnants qui nous permettent d'avoir la subordonnée avec le mode indicatif. Ce chauffard ne s'arrête pas, pourtant, le feu rouge est allumé. Ou bien, cependant, ou bien, toutefois, ou bien ni au moins euh, cependant toutefois ni au moins pourtant en revanche etc donc surtout on peut garder ces, ces cinq éléments qui nous permettent d'avoir aussi le mode indicatif dans la suivante maintenant passons au cas c c'est l'enchassement avec la, la nominalisation, pardon. Exemple de phrase de départ, cette dame est généreuse même si, même si elle est pauvre. Alors c'est une exception parce que quand une femme est pauvre, généralement, il n'a rien à donner. Mais parfois, par exception, on peut trouver des dames ou des personnes qui sont généreuses en dépit du fait qu'elles sont pauvres. Alors, si on veut transformer cette phrase oui à la principale avec la subordonnée de position et de concession, on va donc utiliser la nominalisation. Cette dame est généreuse malgré. Ou bien on dit pi de » Puis, avec les pauvres, on va mettre sa pauvreté. Il y en aura. Plus non. Donc, on peut aussi avoir l'idée de la concession via les deux outils malgré plus non, bien en dépit de plus non. Cette dame est généreuse malgré sa pauvreté, ou bien en dépit de sa pauvreté. Là, c'est la première petite leçon, c'est la subordonnée circonstancielle de concession, j'espère que vous l'avez comprise. Passons à la deuxième partie, c'est la deuxième leçon. Maintenant, faire une concession dans un raisonnement argumentatif. L'année prochaine, dans la typologie textuelle, vous allez faire le texte argumentatif. Parmi les outils qu'on utilise dans l'argumentation afin de persuader ou de convaincre les autres, nous avons ce qu'on appelle l'argument par concession. Et vous le trouverez ici dans ce paragraphe. Donc, quand on vous demandera le jour de l'examen de faire une concession en quatre étapes, sachez que vous devez raisonner pour convaincre. Alors on présente la première chose et la première chose c'est beaucoup de gens pensent que la science a contribué largement à l'amélioration des conditions de vie de l'homme avec un H majuscule c'est-à-dire les hommes et les femmes, les enfants, etc. Regardez bien, il s'agit d'un point de vue donc c'est la première partie. Beaucoup de gens pensent que donc c'est pas le point de vue de celui qui parle, mais le point de vue de plusieurs personnes. Il pense que le sujet c'est par rapport à la science et celle-ci. Il a participé largement à l'amélioration et, et au développement des conditions de vie de l'homme. <coughs> Bien sûr, est-ce que cette opinion est juste On va voir. Là, c'est la première partie on appelle affirmation de départ. Affirmation de départ. Il s'agit d'une opinion communément admise qu'on trouve chez plusieurs personnes. Donc, on va la voir chez l'argumenté, celui qu'on veut persuader. Alors, directement après, nous allons passer à la deuxième partie. Personne ne peut dire le contraire peut mettre à sa place aussi certes, ou euh, je vous l'accorde, je vous le concède, <coughs> ou bien aussi sans doute, etc. Et cette partie numéro 2 s'appelle la concession. Quand vous voyez ici, il ne s'agit pas de donner une subordonnée de concession, mais la concession veut dire qu'on accepte acceptation, on accepte partiellement, c'est-à-dire pas totalement, partiellement, la thèse adverse, c'est-à-dire l'opinion de départ. On accepte que le fait dit dans l'opinion, il est juste, mais juste partiellement seulement, non, non pas totalement. Ce qui montre qu'on n'est pas totalement d'accord, c'est la partie 3. Mais il ne présente pas que des avantages. Ça veut dire que la science présente beaucoup d'inconvénients. C'est pour cela, donc, on va présenter notre opposition. On s'oppose à l'opinion que nous avons partiellement partagée avec la concession. Personne ne peut dire le contraire maintenant on va s'y opposer pour démontrer que la science n'est pas 100% bénéfique mais il ne présente pas que des avantages donc nous avons ici l'opposition et quand on fait l'opposition on attire l'attention vers d'autres domaines euh, ou d'autres cas où la main, le même sujet avec lequel ou la même opinion avec laquelle nous étions d'accord au début euh, il y a des domaines dans lesquels dans il n'est pas juste, mais elle est fausse, cest dire cette opinion est fausse sur d'autres plans. Maintenant, pour convaincre la personne avec qui on parle ou laquelle on veut persuader, on ne peut pas s'arrêter sur le niveau de 3, mais il faut apporter des arguments, c'est-à-dire des arguments d'exemple. Arguments ou bien des justifications. On va justifier pourquoi on s'oppose à la même opinion à laquelle nous avons adhéré sur d'autres plans. Alors voici les exemples. Pensez à toutes ces machines de guerre inventées au nom de la science. Les machines de guerre sont les chars, les, les bombardiers, par exemple, <coughs> les avions, les, les avions de chasse, les bombes. Toutes ces machines de guerre inventées au nom de la science. Donc, on ne peut pas dire que ces machines améliorent améliore les conditions de la vie de l'homme. C'est pour cela on s'y oppose. Ça les détruit, ou ça détruit les conditions. La vie de l'homme. Penser à toutes ces machines de guerre inventées au nom de la science, là c'est le, euh, le premier, argument, ou bien la première justification que nous, nous avons, euh, nous avons raison. Deuxième, c'est à la pollution atmosphérique qui est causée par le développement de l'industrie. Quand on parle d'industrie, ça veut dire que ce sont des machines inventées. Et puis inventées par quoi Inventées toujours par la science. Et tous ces dangers qui menacent l'humanité en permanence, nous avons beaucoup de dangers qui menacent l'humanité. Et à cause de la science. Donc ce n'est pas la science qui est en elle-même a un problème, mais l'homme l'utilise aussi pour produire le mal. Donc la science ne conduit pas uniquement à l'amélioration des conditions de vie de l'homme, comme le pensent plusieurs gens mais aussi on doit leur attirer l'attention, bien qu'on ait partagé avec eux euh, partiellement leur point de vue, on doit donc leur attirer ou le, attirer leur attention vers d'autres domaines où la même opinion s'avère être fausse. Merci pour, euh, pour votre écoute et d'avoir suivi aussi notre leçon. On vous présentera la deuxième partie qui contiendra la leçon telle qu'il est présentée sur le manuel avec les, les exercices. Merci beaucoup.